Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo tutoriel pour apprendre à manier Probuilder. J'ai eu énormément de retours positifs et de demandes de tutoriels par rapport à ma vidéo de présentation de Probuilder et de ses fondamentaux, donc voilà une première vidéo tutoriel qui j'espère vous plaira. Probuilder est un outil de modélisation directement intégré à Unity 3D, si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous ne connaissez pas Probuilder, je vous recommande de regarder la fameuse vidéo dont j'ai parlé à l'instant, donc la vidéo de présentation de Probuilder et de ses fondamentaux ça vous permettra de connaître les bases de probuilder euh, si vous ne les avez pas vous risquez d'être totalement perdu donc prenez le temps de regarder au moins cette vidéo de quelques minutes concernant ce premier tutoriel j'ai beaucoup hésité sur le sujet à la base je voulais réaliser un gros projet 3D euh, mais je me suis aperçu que ça risquait d'être plus compliqué que prévu déjà parce qu'il faut connaître un minimum les outils de probuilder et le fonctionnement de la modélisation 3D en général mais aussi parce que ProBuilder est encore en développement et que certaines de ses fonctionnalités sont assez instables ou ne fonctionnent pas encore très bien. Du coup, on commence cette série ProBuilder avec la création d'un objet simple, présent dans 90% des jeux vidéo, un baril ou un tonneau ou un fût, appelez ça comme vous voulez, je pense que vous voyez de quoi je parle. Allez, c'est parti pour le tuto. Je suis actuellement sur un nouveau projet sur Unity 2018. Vous avez absolument besoin de la version 2018 de Unity ou d'une version plus récente. Sinon, le Package Manager ne sera pas disponible et donc impossible d'installer ProBuilder dans la version actuelle. Rendez-vous dans la fenêtre Windows, puis ensuite dans le Package Manager et on va ensuite chercher ProBuilder et directement l'installer grâce au petit bouton qu'il y a en haut à droite. Maintenant que ProBuilder est installé, on va commencer par faire un petit peu de place dans notre layout. Ce n'est pas une étape obligatoire mais lorsqu'on crée des objets simples sur ProBuilder, Généralement, on a besoin que d'un seul onglet, c'est l'onglet scène. Toutes les autres fenêtres, donc la hiérarchie, le projet, la console, l'inspecteur, toutes ces fenêtres, logiquement, on ne devrait pas en avoir besoin. Si on crée des objets plus compliqués, plus gros ou faits euh, en plusieurs parties, on aura peut-être besoin de toutes ces fenêtres, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les enlever. Donc, je vais simplement faire des clics droit sur toutes les fenêtres. Je vais faire close tab. J'aurai besoin uniquement de ma fenêtre scène et même l'onglet game je peux l'enlever. Comme je l'ai dit, c'est pas une étape obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut être sympa pour avoir vraiment un grand écran pour travailler sur votre modèle 3D. Ensuite on va avoir besoin d'une autre fenêtre, ça va être la fenêtre de ProBuilder. Donc on peut aller dans Tools, ProBuilder et ProBuilder Window. Ce que je vous recommande de faire, c'est simplement de la mettre sur le côté. Je vais faire un clic droit dessus et je vais me mettre en icon mode. Si vous préférez vous mettre en mode icône, vous pouvez le faire. Si vous préférez vous mettre en mode texte, vous pouvez le faire aussi. Et je vais aussi faire un clic droit et mettre en floating window. Ça sera un petit peu plus agréable pour étirer cette fenêtre lorsque c'est nécessaire. Allez, on va commencer la réalisation de notre baril. Pour ça, on va pouvoir se baser sur une forme primitive de modèle 3D. Donc on peut aller simplement sur le premier icône New Shape Tool et on va se baser sur un cylindre. Le cylindre que je vais réaliser aujourd'hui, ça va être un cylindre qui va être au plus proche du réel. C'est-à-dire que je vais faire un modèle 3D qu'on pourrait inclure dans un jeu en 3D avec des graphismes proches du réel. Mais si vous souhaitez faire un jeu en low poly, eh bien vous pouvez très bien utiliser ProBuilder, d'ailleurs ça sera même plus simple pour faire du low poly, pour créer simplement des objets, des props à mettre dans votre jeu. Je vais vous donner des valeurs de base qui rendent plutôt pas mal dans les tutoriels officiels de ProBuilder. Donc, pour le radius, on va se mettre à 0,35. Pour le nombre de faces, je vais me mettre à 16. Pour la hauteur, je vais laisser à 1. Pour le height segment, je vais laisser à 0. Et je vais désactiver l'option smooth, ce qui va ajouter simplement des lignes ici, des edges sur tout le côté. C'est pas obligatoire, on peut euh, se mettre en mode smooth, mais le fait d'avoir plusieurs edges qu'on pourra de toute façon enlever euh, sera un petit peu plus agréable pour travailler et pour ajouter des edge loops et d'autres euh, détails sur notre modèle 3D. Et une fois que vous avez pris vos paramètres, vous pouvez cliquer sur Build Cylinder et fermer la fenêtre Shape Tools. Avant d'ajouter une quelconque géométrie à notre objet, on va commencer par préparer le UV. Donc en fait, c'est simplement pour préparer les textures, ça sera plus simple pour la suite. Donc, je vais me mettre en mode face. Je vais cliquer ici sur la fenêtre UV Editor. Vous pouvez ensuite cliquer sur n'importe quelle face et on va simplement faire le tour de notre objet. Et maintenant, tout en maintenant contrôle, je vais cliquer sur toutes les faces qu'on a sur notre cylindre. Et vous allez voir que la texture qui est assignée pour l'instant à toutes ces faces, la texture de prototype, va disparaître pour coller les faces ensemble et pour leur assigner une seule et unique texture. Donc j'ai choisi une première face, tout en maintenant CTRL, je vais appuyer sur les autres. Donc on en a 16, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la dernière, 16. J'ai sélectionné maintenant toutes mes faces. Maintenant qu'on a préparé le contour du baril, on va s'occuper du haut et du bas. Donc j'ai sélectionné toutes ces faces un petit peu comme on l'a fait ici pour le, le contour du baril. Donc je vais rester appuyé sur Alt et je vais cliquer sur cette icône ici qui est le Grow Selection. On va ensuite choisir Restrict to Angle, on va le, le valider. On va faire Grow Selection et de cette manière normalement vous devrez avoir juste le, le haut du baril qui a été sélectionné. Donc juste le haut du cylindre plutôt. Une fois que c'est fait... Vous pouvez descendre dans votre liste d'icônes ProBuilder et vous pouvez cliquer sur cette icône en bas, Merge Faces. De cette manière, on va transformer toutes ces petites faces en une seule et unique face qui va être le haut de notre cylindre, le haut de notre baril. On va faire pareil en bas. Donc vous pouvez aller en dessous de votre objet. On peut cliquer sur une face. Maintenant, vous avez juste à cliquer ici sur Grow Selection. Vous n'avez pas besoin de faire de nouveau Alt pour bloquer l'angle. Et ensuite, pareil, une fois que tout est sélectionné, on va cliquer là en bas sur Merge Faces. Et du coup, on va avoir une seule et unique face à la place de toutes les petites faces triangles qu'on avait avant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'option Smooth à notre cylindre. Donc, c'est l'option qu'on a désactivée lorsqu'on a créé l'objet, simplement pour nous faciliter un petit peu la vie sur la construction de l'objet. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que le UV Editor, on peut le fermer, on n'en a plus besoin pour l'instant. On va sélectionner une face, on va cliquer sur ici Grow Selection, ce qui va faire que euh, normalement on va sélectionner tout le contour de notre objet. D'ailleurs, j'aurais pu me mettre en vue ISO depuis le début et tourner simplement autour de l'objet. Donc là normalement vous voyez toutes les faces sélectionnées, pas le haut, pas le bas, juste le contour. Et on va ajouter cette option de Smooth. Vous allez cliquer sur l'icône ici qui s'appelle Smooth Groups Editor. Cette fenêtre permet donc d'adoucir plusieurs faces en un seul groupe. Donc là, on, va, on a sélectionné toutes les faces. On va cliquer sur le 1 pour tout mettre dans le groupe 1. Et vous avez probablement remarqué qu'on a maintenant des faces beaucoup plus adoucies qu'avant. Donc ça va nous permettre d'avoir un résultat beaucoup plus sympa pour notre tonneau. Je vais sortir de la vue ISO. Je vais passer maintenant en mode Edge. Je vais cliquer sur mon objet. Et je vais choisir simplement une edge sur le côté du baril. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Et ensuite on va faire Alt U pour ajouter une edge loop. Autre solution, je vais faire juste un CTRL Z pour vous montrer, vous avez juste à cliquer sur n'importe laquelle des, euh, des edges sur le côté, et vous pouvez cliquer sur cette icône il me semble, voilà, Insert Edge Loop, et ça va l'ajouter directement euh, sur votre objet. Alors si je ne me trompe pas, chacun, chacune plutôt des fonctionnalités de ProBuilder a un raccourci attribué, donc c'est toujours beaucoup plus rapide de connaître les raccourcis. Euh, mais pour ma part, je pense que je vais vous montrer un petit peu les deux pour que vous puissiez bien comprendre les icônes, mais aussi les raccourcis qui peuvent vous faire gagner du temps. Une fois qu'on a cette Edge Loop, vous pouvez aller en mode Scale et on va simplement pouvoir augmenter un petit peu euh, le scale de cette Edge Loop pour donner un petit peu de relief à notre baril. Donc n'en donnez pas trop, on va en donner un petit peu. Faut pas trop trop abuser parce qu'on va en ajouter deux autres, une sur la partie supérieure ici et une sur la partie inférieure. Donc je pense que là j'ai même peut-être ajouté un peu trop. Je pense que je vais donner un tout petit peu plus de relief vu qu'on va en ajouter deux autres, le résultat sera très sympa. Donc voilà, on a simplement agrandi ou grossi notre barrel sur, le, sur la ligne du milieu, donc notre baril plutôt. Je vais sélectionner maintenant deux edges, une au-dessus et une en dessous. Il faut que ce soit sur la même ligne quand même. Donc sélectionnez-en deux. Et vous pouvez de nouveau faire ici Insert Edge Loop ou Alt U avec le résultat pour ajouter de nouveau une edge euh, en forme de cercle autour de notre baril. Et une fois qu'elles sont ajoutées, pareil, on va pouvoir augmenter un petit peu leur scale pour donner simplement un relief à notre baril. Si vous souhaitez modifier la ligne que vous avez ajoutée avant, vous trouvez que vous n'avez pas assez ajouté ou vous avez trop peu ajouté. En maintenant, contrôle, vous faites un double clic sur l'une des, des sur l'une des petites parties de cette edge loop et vous pouvez de nouveau la modifier avec le scale. Donc, moi je vais peut-être l'augmenter encore un petit peu. Et maintenant, je vais vouloir modifier de nouveau les deux dernières que j'ai ajoutées. Donc, je vais sélectionner l'une des petites parties de mon edge loop. Et en maintenant contrôle, je vais faire un double clic sur une autre partie, ce qui fait que ça va sélectionner tout le contour, comme vous pouvez le voir, et ensuite je vais. En maintenant CTRL, cliquer sur une des parties de celle du bas et faire un double clic sur une autre partie de celle du bas, ce qui va faire que je vais de nouveau sélectionner les deux. C'est important de sélectionner les deux parce qu'on a envie que le baril soit quand même un minimum symétrique. Donc, il faut qu'on modifie les deux en même temps. Une fois que j'ai choisi les deux, je vais pouvoir de nouveau modifier un petit peu le scale pour donner un effet un peu plus sympa à mon baril. Et voilà, je trouve que là, le résultat est pas trop mal. Vous pouvez bien évidemment faire un baril plus haut ou plus large, lui donner plus de forme. C'est totalement à vous de voir pour votre projet. Bien évidemment, vous pouvez ajouter encore plus d'edge loop pour faire un baril qui sera encore plus proche de la réalité en ajoutant plus de courbes. Mais de notre côté, on va maintenant ajouter une texture. De mon côté, c'est cette texture que je vais utiliser. Je l'ai trouvée sur Internet, plus précisément sur DeviantArt, et c'est une texture qui a été réalisée par Christina Donald. Donc je ne suis pas le créateur de cette texture. Vous avez un lien dans la description si vous voulez essayer avec cette texture, mais il n'y a pas trop de précision sur la personne qui a créé euh, cette texture, dont je ne sais pas si on peut l'utiliser de façon personnelle dans nos projets ou dans un projet commercial ou dans n'importe quel projet en, en général. Donc euh, le mieux c'est quand même que vous réalisiez votre propre texture ou que vous en trouviez une euh, qui est libre de droit. Mais de mon côté, pour le tutoriel juste pour vous présenter, euh, je vais pouvoir utiliser celle-là. Du coup, je vous avais dit qu'on n'aurait probablement pas besoin des autres fenêtres, mais pour le coup, je n'ai pas ajouté ma texture au projet, donc je vais devoir utiliser les autres fenêtres. Donc, je vais aller dans Windows, Project, je vais ajouter, je vais simplement faire un glisser-déposer de ma texture. Voilà, ma texture a été ajoutée, je vais simplement la renommer en barrel, donc pour baril en anglais. Donc, je vais me mettre en mode objet, je vais cliquer sur mon baril, et on va retrouver ici un outil qui s'appelle Material Editor où on va pouvoir glisser nos différents matériels. Bien évidemment, le barrel que j'ai ici, ce n'est pas un matériel, c'est une texture. Donc je vais créer un nouveau matériel. On va faire clic droit, Create, Matériel. Je vais appeler Barrel, euh, Matériel. Je vais aller ensuite dans l'Inspector. Je vais mettre ça sur le côté, juste pour préparer cette texture. Et je vais simplement glisser ma texture barrel dans albido. Et normalement, on devrait déjà être bon, il ne devrait pas y avoir... Plus de choses à faire. Vous pouvez évidemment modifier le taux de métal et le smoothness si vous voulez avoir, si vous voulez un petit peu modifier votre texture. Alors pour le smoothness, je pense que je vais, je vais laisser les valeurs de base et au pire on les modifiera plus tard. Je vais garder la fenêtre project et la fenêtre inspector on en aura peut-être besoin à nouveau. Une fois que j'ai mon matériel, je vais simplement le glisser dans l'un des slots qu'on a ici. Je vous conseille de laisser le premier, le default prototype, correspond à la texture qu'on utilise ici sur cet objet. Donc c'est la texture qui est ajoutée de base en fait à tous les objets de ProBuilder. Je vais cliquer sur mon objet, donc en mode objet, très important, ne sélectionnez pas de vertex ou euh, d'edge ou quoi que ce soit. Et on va simplement faire. Et on va simplement cliquer sur le bouton assigné à notre barrel. Donc moi c'est Alt plus 2. Donc je peux utiliser le raccourci Alt plus 2 sur mon clavier, ou simplement cliquer sur le bouton qui est à côté de euh, mon matériel. On peut ensuite fermer cette fenêtre, et forcément, comme vous pouvez le voir, eh bien, il s'est passé n'importe quoi. Mais c'est pas un problème, on va s'occuper de ça tout de suite. Pour régler ce problème de texture, on va aller dans ProBuilder et on va aller dans le UV Editor. Donc on était déjà dessus avant, mais cette fois-ci, on va assigner euh, les différentes parties de notre objet aux différentes textures. Donc vous pouvez passer en mode face, vous pouvez cliquer sur l'une des faces sur l'un des côtés, et on a donc maintenant la face qui va être surlignée dans l'UV Editor. Qui nous intéresse maintenant, c'est d'assigner la texture à toutes les faces. Donc, on va simplement, euh, une fois qu'on a cliqué sur une face, on va de nouveau euh, cliquer ici sur le bouton Grow Selection, ce qui va prendre tout le contour de notre objet. Vérifiez bien que le haut et le bas ne soient pas inclus. Et logiquement, vous avez vu que ça s'est aussi modifié ici dans le UV Editor. Et maintenant, vous l'avez peut-être compris, je vais simplement zoomer dans le UV Editor. Je vais augmenter ça un petit peu, et je vais simplement devoir assigner ce gros morceau qui est sélectionné ici à ma texture qu'on voit apparaître ici un petit peu en arrière-plan donc je vais simplement utiliser l'outil de scale je vais faire en sorte de rendre ça un peu plus petit et je vais assigner ça sur le haut et le bas de ma texture alors je vais peut-être pas le faire de façon très précise vu qu'on est dans un tuto on va peut-être pas perdre trop de temps là dessus euh, vous voyez que ça dépasse sur le côté mais ça c'est pas du tout un problème en fait si vous voulez c'est ce qu'on appelle le wrapping ce qui va se passer c'est que ces deux euh, ces deux morceaux qui dépassent et qui n'ont pas de texture assignée Vont en fait entourer la texture, ce qui fait qu'en fait ces deux morceaux, on va les retrouver ici. Donc tous les côtés auront une texture, ne vous inquiétez pas. Euh, essayez vraiment de placer ça de façon précise. Donc chez moi, on voit que sur le haut du baril, il y a une petite barre en métal, donc je vais essayer d'assigner ça vraiment au mieux. Peut-être augmenter un petit peu le scale. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est modifier le pivot point directement depuis cette fenêtre du V. Dans notre cas, on a un objet très simple, donc ça va pas être vraiment nécessaire de le faire. Donc, je vais simplement faire ça. Et logiquement, euh, la texture devrait être bien assignée à notre baril. Toujours en mode face, on va cliquer sur la face du dessus. D'ailleurs, si maintenant je vais me remettre en mode ISO, je vais faire un focus sur mon objet. Si je tourne autour, vous voyez que la texture a bien été assignée à tout notre objet. On a même, euh, on a même les petites feuilles qui ont été ajoutées, comme vous le voyez ici. Donc la texture a bien été ajoutée autour de notre baril. On va maintenant s'occuper de la partie du haut. Donc vous pouvez la sélectionner. Donc, directement dans la fenêtre UV Editor, on voit qu'il y a une face arrondie qui a été sélectionnée. Donc, c'est simplement celle qu'on a choisie là derrière. Et on va simplement pouvoir, pareil qu'avant, la déplacer. Donc, là, c'est la partie du haut. Vous voyez qu'on a ici une autre partie ici qui est en fait la partie du bas. Donc, pareil qu'avant, je vais simplement la placer sur la partie euh, qui représente la texture. Donc, le scale n'est pas le bon. Donc, je vais réduire un petit peu le scale. Je vais essayer de mettre ça bien autour. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Et je vais ensuite sélectionner l'autre face qui représente le bas. Et je vais le déplacer sur euh, l'autre euh, partie arrondie de ma texture. Évidemment, je pourrais le mettre sur la même. Euh, là, les... ici, les textures sont un petit peu différentes. On voit que la texture d'en dessous est un petit peu plus noircie. Donc ce qui est assez logique en soi. Même si on ne devrait pas voir le bas de ce, de ce baril, c'est toujours bien d'avoir une texture euh, unique pour les différentes faces. Donc, je vais réduire un peu le scale encore une fois essayer de bien placer ça je vais peut-être l'augmenter un petit peu là ça m'a l'air pas trop trop mal on va décaler ça un peu et je pense qu'on est bon pour notre baril si je ferme la fenêtre du V editor euh, je vais faire un focus sur mon objet donc vous cliquez sur l'objet vous appuyez sur F je vais simplement cliquer en dehors pour ne pas avoir euh, toutes, les, euh, toutes les lignes de probuilder toute la grille de probuilder et simplement si je tourne autour de mon objet on peut voir que mon baril a bien la forme adéquate et qu'il a bien maintenant une texture assignée. Donc logiquement, vous devriez avoir à peu près le même résultat et vous avez maintenant créé un baril sous ProBuilder ou un tonneau ou un fût, évidemment, vous appelez ça comme vous voulez. Je vais vous montrer une petite amélioration que vous pouvez effectuer, on va se baser sur le haut du baril. Euh, logiquement, on devrait avoir cette partie en bois qui va être un petit peu enfoncée par rapport à la partie métallique qu'on a en haut. Donc on va effectuer cette petite amélioration. Je vais sélectionner la face du haut. Je vais me mettre en mode scale restez appuyé sur shift et réduire le scale de cette face. voilà. ensuite, je vais mettre en mode déplacement et tout en maintenant shift, je vais descendre un petit peu cette face. donc on va faire un extrude vers le bas et du coup on va ajouter un petit peu de relief à notre baril. le petit problème, c'est qu'au niveau de la texture, vous voyez que ce n'est pas trop la joie. on a un petit problème au niveau des textures sur le haut. ça devrait être la partie métallique. donc on va, tout comme avant, ouvrir le mode uv editor. on va sélectionner une face. Donc celle-là, par exemple. Et on va simplement faire le tour. On va toutes les sélectionner un petit peu comme avant. Donc je vais cliquer sur celle-là. Et en maintenant CTRL, je vais cliquer sur toutes les autres. Donc celle-là. Celle-là. Hop, hop, hop. On va toutes les sélectionner un petit peu comme avant. Oups. Ça, c'est un misclic. Hop, hop. Et voilà. Je crois qu'on a tout sélectionné. Alors par précaution, je vais resélectionner celle-là. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement... Vous sélectionnez une face, n'importe laquelle. On fait maintenant Grow Selection, ce qui va sélectionner tout l'anneau. Et maintenant, cet anneau, on va pouvoir le déplacer ici de nouveau dans l'UV Editor pour bien le replacer sur la texture de métal qu'on a au-dessus. Et si maintenant je quitte l'UV Editor et que je reviens dans Unity, vous pouvez voir qu'on a bien ajouté le petit relief sur le haut du baril. Et on a maintenant une texture qui est beaucoup plus sympa sur le dessus. On a donc cette, ce petit anneau de métal sur le haut avec le relief du tonneau qui est un petit peu enfoncé. Bien évidemment vous pouvez faire la même chose sur le bas, je ne vais pas le faire parce que je pense que vous avez compris la technique, il faut faire exactement la même chose en haut et en bas. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez voir à l'intérieur qu'ici la texture c'est de nouveau pas la bonne, c'est une texture de bois qui a été ajoutée à l'intérieur de l'anneau en métal. Donc pareil, vous pouvez cliquer sur l'une des faces. On va ouvrir l'UV Editor, je vais encore vous montrer ça avant de mettre fin à ce tutoriel. Donc je sélectionne une face et ensuite, tout en maintenant CTRL, je clique sur toutes les autres faces. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, on peut aller dans l'UV editor et ensuite euh, vous pouvez voir que alors le, le petit morceau a été décalé par rapport au reste de l'UV map. Donc si, vous ne le, donc si vous avez la vue zoomée sur votre texture, reculez un petit peu, vous devriez retrouver cet objet. Et on va simplement maintenant le décaler. Et logiquement, ça devrait être une texture de métal. Donc on va faire en sorte de le placer sur l'une des textures de métal du haut du baril. Euh, ça donnera à peu près le même effet. Que l'on recherche, et logiquement, maintenant, si je ferme la fenêtre du V-Editor, que je reviens dans Unity et que je regarde mon baril de manière plus précise, on peut voir que c'est bon, on a bien la texture de métal qui a été ajoutée sur la partie intérieure de l'anneau. Donc voilà pour ce tutoriel, je pense qu'on a maintenant fait le tour, on a un beau baril avec de belles formes. J'espère que ce tutoriel vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à créer ce tutoriel pour ProBuilder, ça me permet un petit peu de sortir des tutoriels où je fais uniquement ou quasiment uniquement de la programmation. Donc... Je pense en réaliser d'autres. Si vous avez des suggestions d'objets qu'on pourrait réaliser, euh, peut-être des choses simples au début. J'ai comme projet de réaliser une grosse vidéo sur ProBuilder pour un gros projet. J'en parle pas plus pour le moment parce que je n'ai pas encore terminé de préparer ça et ça va prendre pas mal de temps. Mais pour le moment, on peut peut-être créer euh, des petits objets sur ProBuilder directement. Donc les modéliser et leur ajouter des textures directement sur Unity. Donc voilà, j'attends vos retours. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Dites-moi si c'est assez précis. Il faut savoir que ProBuilder c'est quand même un outil qui est euh, assez avancé, assez compliqué. On pourrait carrément dire que c'est un autre logiciel qui est inclus à Unity. Donc forcément, l'apprentissage est peut-être un petit peu différent de la programmation. Euh, mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Avant de terminer la vidéo, comme d'habitude, un remerciement aux différents tipeurs qui m'aident financièrement via Tipeee, donc pour continuer à faire des vidéos gratuites sur YouTube. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur Tipeee slash tuto-unity-fr. Vous avez un lien en description, ce sera peut-être plus simple que de le taper manuellement. Et évidemment, un remerciement tout particulier à Crafter et Dark and Blood. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels sur Probuilder ou plus généralement sur Unity 3D. Allez, salut